Et bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce petit dimanche. On est parti pour du Mario Maker, oui, voilà. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon petit niveau. Ah oui, des notifications, super important les notifications. Je vais donc continuer mon petit niveau que j'ai commencé à créer. Attendez, il faut que je chope. Et que j'ai continué hier offline. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Et toujours. Alors, du coup, je me demande aussi si je vais pas en faire deux niveaux. Ou si je vais pas faire plusieurs niveaux dans le même esprit. Ah, merci, c'est Lio, merci beaucoup. Donc celui-ci, alors attendez, je vais le refaire juste histoire de. Voilà. Et donc là, on arrive ici, et la question étant, est-ce qu'on continue vraiment, on fait un truc souterrain ou pas? Ah oui! Ah mais je vous ai pas parlé, mais c'est vrai, c'est Lio. Ah, tu n'étais pas là. Ah c'est dommage. Il faudrait que j'attende que Crackball soit là parce que ça va beaucoup lui plaire. Non, parce que j'ai un. Alors, je crois que comment dirais-je? J'ai passé un nouveau cap dans le streaming. Je crois que j'ai mon premier hater. Voilà. Et c'est super important, évidemment. Dans une carrière, ça compte. Et alors, c'est très très drôle. Je vous assure, c'est très très drôle comme truc. Mais donc oui, parce que sur chaque niveau, il m'a mis un petit message comme ça. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est venu sur le stream et qui m'a fait tester un de ses niveaux. Sauf que son niveau était pas extraordinaire. Et je crois qu'il l'a mal pris. Voilà. C'est-à-dire que même les gens sur le chat avaient l'air pas très saucés par le niveau. Bon. Ah oui, non, mais il a tout fait. Il a même dessiné un zizi. C'est vrai. Si, c'est vrai. Mais donc ça m'a beaucoup fait rire, je dois avouer. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc voilà, alors le principe de ce niveau, c'est qu'on peut aussi le passer de manière, on va dire, plus posée, plus réfléchie. Par exemple, là, hein, au lieu de le passer comme ça, il suffit juste de faire ça et hop, et ça passe. Ouais, je vais même peut-être augmenter un petit peu, voilà, pour assurer le truc. Et bonjour Tim, bienvenue à toi. Mais c'est ça, ah oui, c'est toi, tu étais là, Spike, c'est vrai. Oui, non, mais tout à fait. Mais non, mais ça m'a beaucoup fait rire en fait. Tous ces petits messages. Et alors ça, par contre, c'est notre petit secret, hein. Mais il a mis une étoile à tous mes niveaux en fait. Je ne sais pas. Si c'est pas un truc automatique, si à partir du moment où on met un commentaire, il n'y a pas une étoile qui est lâchée. Je ne sais pas si ça me fonctionne comme ça, je n'ai pas encore testé. Mais toujours est-il. toujours est-il qu'il a quand même donc ajouté une étoile à tous mes niveaux. Ce que je trouve très sympa de sa part. Mais bon, ça devait arriver, hein. Voilà, ça devait arriver. Tu ne peux pas commenter sans étoile, c'est génial. C'est génial. Donc j'ai beaucoup ri aussi. Quand j'ai vu qu'il avait finalement, il m'a donné 8 étoiles, c'est déjà pas mal. Alors j'attends avec impatience de publier un nouveau niveau pour voir s'il va bien commenter. C'est super important.
Mais est-ce que du coup il me redonnerait encore une étoile? C'est beau. C'est, voilà, c'est, moi je dis c'est propre. Voilà, enfin bref. Donc voilà, voilà pourquoi il y avait un com rageux au début. C'est ah mais du coup il est sur chaque niveau, c'est vrai. Ça apparaît, c'est vrai que ça apparaît quand on teste le truc. Ah ouais. Bon, je j'en supprimerai peut-être plein, j'en garderai un juste pour le fun. Histoire 2, ouais, voilà. Ça me paraît important. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. En fait, il a mis un commentaire à chaque début de niveau, donc ça va apparaître sur chaque début de niveau. Okay. Je vois. Mais bon, il, voilà, je veux dire, faut quand même avoir que ça à foutre dans sa vie, honnêtement. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, donc j'irai en supprimer quelques-uns, puis voilà. C'est pas bien grave. Bonjour Dimensio, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, oui, donc ce niveau. Hein. Alors le principe c'était que si on est bon, on arrive à aller jusque ici. Mais si on n'a pas trop envie, si on est plutôt dans l'optique d'être tranquillou, bah du coup on a juste à aller ici. Et ça fonctionne très bien. Et là, en fait, je vais peut-être rajouter une porte. Je vais rajouter une porte, comme ça, il me semble que ça indique clairement que si on va par là, faut aller dans le toyo, quoi. Même mettre une petite flèche, à la limite. GG Dimensio. Ah ouais, bah, je sais pas si c'est un jaloux. Je crois que surtout c'est un rageux. Je crois que surtout il doit être jeune. Enfin, j'espère. Hein. Parce que sinon, bon. Sinon, c'est triste. Sinon, c'est super triste. Mais. Je pense qu'il est jeune. Parce qu'en plus là, donc du coup sur ce niveau, j'ai épuisé un petit peu toute la surface horizontale, on va dire. Bonjour Spudza, bienvenue à toi. J'espère que ça va bien. Et et donc en fait le principe ça serait que éventuellement donc une autre partie du niveau où ben on aurait grosso modo encore des petites séquences un petit peu compliquées à passer. Et ça va me permettre aussi de tester d'autres
on dirais-je, d'autres. D'autres mécaniques. Voilà. Bonjour Dertilion, bienvenue. Et bonjour Nolcolem. Bienvenue à vous deux. Oh, merci, merci, mais ça me fait plaisir de vous revoir. Et bonjour, bonjour Mini Papy, comment ça va? Ça tarte, oui, ça farte. Mon niveau énigme, lequel? À qui? À Nolcolem? Ah oui, non, oui, d'accord. Ah oui, pardon, non, je loupe des messages. Oh là là, bon, ça y est, le chat va déjà trop vite pour mon cerveau, désolé. Hein. Désolé. Ouais, voilà, c'est mieux. Ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre comme difficulté? Voyons voir. Ah oui, ça je voulais l'utiliser, c'est vrai. C'est vrai que ça je voulais l'utiliser. Allez, skip. C'est propre. Skip. Moi, je dois avouer là que je sais comment je vais faire.
quoi que si, en fait, je pourrais le faire là. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe si on se baisse pas, d'ailleurs? Question. Ouais, ça passe si on se baisse pas. Il faudrait être grand, en fait. Il faudrait être grand. Ça va, ça passe. Je crois que je l'ai pas testé, Nolcolem. Je crois que je l'ai pas testé. Ah bah, et bonsoir, bonjour plutôt plateformeur, bienvenue à toi. Ah mince. Ah oui. petit fermage et puis c'est bon. On ferme en haut et puis tout va bien. Ok, bah merci pour le. Ah. Merci pour le niveau, je le testerai. Je vais le tester là pendant la session. Et donc oui, bonjour plateformeur, j'espère que tu vas bien. Peut-être un peu trop lent là du coup, je sais pas.
Bonjour Chicken, comment vas-tu? Ah cool, d'accord, merci pour les niveaux. Je les testerai, ne vous inquiétez pas. Alors après, j'ai des idées avec Yoshi aussi. Des idées avec Yoshi. Ça va bien, merci Chicken. Merci LOL King, merci beaucoup pour le follow. Donc, oui. Et c'est peut-être là. On pourrait revenir avec. Genre par là, il faudrait mettre une porte en fait, je pense. Bah merci Platformer, merci, j'espère qu'il est cool, il sera cool, même si là je dois avouer que je fais un petit peu comme ça me vient, il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, pas forcément de logique ou de trucs vraiment réfléchis, ouais, c'est voilà, un peu comme ça me vient, donc je suis pas tout à fait sûr. Peut-être que je prendrai des idées de celui-ci et j'en créerai un autre à côté en essayant de trouver d'autres trucs. Il y a des trucs avec Yoshi que j'aimerais bien tester d'ailleurs. Ah bah tiens, je vais le tester là d'ailleurs. On va voir ce que ça donne.
Qu'est-ce qu'on va mettre comme plateforme? On peut le voir de là. Malheureusement, on ne va pas le voir de là, donc je vais peut-être mettre une flèche, tout simplement. Une flèche ou des pièces, tiens. Oula, mais ça ancre plein. Merci beaucoup Zelak, merci beaucoup pour le follow. Des cailloux, et oui, c'est tout. C'est tous les cailloux. Ouais, des pièces, c'est vrai que les pièces, ça peut aussi indiquer sans la flèche, mais peut-être laisser les deux. Je sais pas, je vais voir. Alors, est-ce qu'il y a moyen? Ouais, il suffit juste de s'accroupir et ça passe. Bon, donc mon idée, elle est foireuse.
grosso modo, mon idée, elle est toute pourrite. Salut Nathan, comment vas-tu? Ah, attendez, si, il y a peut-être un truc. Eh oui, mais non, c'est considéré comme du solide. Eh oui, c'est considéré comme quelque chose de solide. Qu'est-ce qu'il pourrait traverser que Mario ne pourrait pas? Ah mais non, c'est ça, c'est pas... Ah je sais. C'est pas ça qu'il faut que je mette. Quoique si. Oh là là. Combo. Combo wombo. C'est qu'après, quand on est petit, on peut courir. Donc, il va falloir quelque chose de beaucoup plus long. Merci Nathan, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a passé j'ai passé la barre des 800 il n'y a pas si longtemps que ça. Grâce à Mario Maker d'ailleurs. Donc oui, en fait, il faudrait faire ça, mais genre, on en met plein. Mais ça va pas être super fun en fait. Bonjour Bamboutech, bienvenue à toi, comment vas-tu? L'idée là, en fait l'idée ça serait de devoir obliger le joueur à lâcher Yoshi sur le tapis roulant, à passer par-dessus et à récupérer Yoshi de l'autre côté. Un Yoshi un petit peu cramé, mais un Yoshi quand même. Attendez, non mais Yoshi, attendez, il y a un autre truc. Yoshi passe pas les. Il passe. Pardon. Yoshi passe pas le. C'est pas à travers les 6, si? Putain, il passe à travers les 6, ce con! Mais en fait, c'est génial! Il passe à travers les 6, c'est vrai. C'est vrai que Mario aussi passe à travers les 6. Donc on n'a pas besoin des. Bon, on va juste faire du hachi de Yoshi. Mais à part ça, tout va bien. Donc ouais, Yoshi, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas l'idée du siècle, je sais pas. En tout cas, pour celui-ci, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas nécessaire. Non, en fait, je sais ce que je vais faire. Tout ça, je vais le virer. Je vais enlever Yoshi, ça sera pour une autre fois. Et ça sera plutôt la sortie. Alors, attendez. Hop, hop, ouf, 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 ouf. Ouf, ça va trop loin. Donc, on va le foutre là. Comme ceci. Et...
suis désolé, mon petit œuf de yo-yo. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Ah non, c'était pas ça, c'était ça. Merci. Bonjour Wolfie, bienvenue. Et donc on fout la sortie. Ah oui. C'est pas con, Nathan. Bonjour Kitsune. Ah, tu as craqué, tu as le jeu, magnifique. C'est très très bien. Alors, attendez, non, il faut que je vire juste un truc. Mario, il ne démarre pas grand. Bon, voyons voir ce que ça donne. Oh, je l'avais modifié ça. Et du coup, ça modifie un petit peu le truc. Ouais. Celui-ci risque d'être assez dur de saut. Ouh, c'était chaud. C'était très chaud. Ah, temps de réaction un petit peu lent. Et du coup, si on se loupe,
C'est pas bien grave, on se retrouve ici. Et là, j'ai pas sauté, ne me demandez pas pourquoi. Plus qu'à débloquer les objets, ouais. Merci Nol Colen, merci beaucoup. C'est un premier essai, hein. Je pense que j'en ferai d'autres. Il faut juste que je trouve les idées ensuite. Mais j'aime bien en fait. J'aime bien les niveaux où on trace. Là, c'est un petit peu tendu. Il y a 2-3 difficultés, mais bon. Si les gens n'y arrivent pas, ils peuvent toujours faire le niveau de manière plus conventionnelle. Et surtout, tout ça, c'est passable toute la première partie jusqu'à ici. C'est passable sans aller très vite. Là, je me suis loupé. Là, normalement, on peut y aller à fond, hein. Ça a été testé, approuvé, mais c'est peut-être un petit peu chaud. Mais on peut y aller à fond. Après, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le problème de qui est lié à la physique de Mario, c'est que on peut pas être sûr à 100% qu'on fait deux fois le même saut. Donc ça passe à fond les ballons, mais toujours une chance pour qu'on se loupe. Par exemple, si Mario ne veut pas faire l'amour au mur. Bonjour Whiskakis, bienvenue à toi. Voilà. C'est passable, hein. C'est tout à fait passable, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Easy peasy, comme on dit. Du coup, hop, on se retrouve ici. Ah, il pourrait y avoir une petite récompense si on est grand. Ici. C'est-à-dire que quand on sort et qu'on est grand, on a le droit, par exemple, de péter des blocs et de récupérer, je sais pas moi, des vies ou... Pas ce qu'on pourrait récupérer de plus. Oui, c'est vrai que c'est un très joli pseudo. À noter, si, en fait, à noter quand même un truc, c'est que quand on est grand, même si on n'est pas grand, ici j'ai mis une carapace hérisse. Du coup, on peut quand même passer a priori. Ok. Si tu veux, Nathan, salut Désor, bienvenue. Merci beaucoup, plateformeur, merci. Merci beaucoup. Après, je vais quand même tester les niveaux que les gens m'ont proposés, quand même. Et puis après, je pourrai toujours revenir dessus.
Et ça sera très bien. Donc ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait offrir. Après, il y a un truc, c'est que Yoshi, je crois. Alors attendez, je vais tester un truc, mais je crois que. Oui, non, si, c'est sûr. Yoshi peut rebondir sur les si. Donc, faudra. Faudra tester. Ah, merci, Whisky, merci. Je l'avais pas vu. Merci beaucoup, les gens. Mais c'est bizarre. En fait, c'est bizarre que je n'ai pas fait un niveau comme ça de avant. C'est très étrange parce que c'est le type de niveau que j'aime beaucoup. Il faut. En fait, il y a plein d'endroits. C'est vrai que là, je le passe à fond, mais il y a plein d'endroits. Par exemple, ici, on peut s'arrêter, prendre son temps, faire ça, hop. Bon, là, je me suis loupé, évidemment. Mais on n'est pas obligé d'aller à fond tout le temps, quoi. Hop. Et là, hop. Pareil, là, on peut attendre et. Ah oui, il faut quand même un minimum d'élan ici. Ah! Ah oui, il faut quand même un minimum d'élan. Non, alors ce qu'on pourrait faire plutôt, c'est. Ok, ça passe. Ok, ça passe, mais je vais quand même juste. Voilà, comme ceci. Comme ça permet de passer même si on n'arrive pas à fond. Par contre, on peut. Si on n'arrive pas à fond, on peut toujours faire à la limite ça. Ah oui, non mais attendez, non mais je sais aussi. Je fais des conneries, je crois. Ouais, ça passe pas. Oh! C'est même pas voulu. Ok. Bonjour Gauguin et bonjour Talita Love Streams. Merci et bienvenue à vous. Surtout. Donc s'il y a une récompense, en fait, ça serait plutôt ici. Plutôt offrir quelque chose au joueur par là. Genre là. Où est-ce qu'on pourra mettre d'autres? Oh, je peux mettre des pièces ici. Je crois que les gens vont se douter quand même qu'on peut y passer. Ouais. Thank you.
Pourquoi pas? Quoique non, en fait, plutôt un champi. Un vrai champi. Ouais, Gauguin, pas de soucis si tu veux. Il y en a déjà trois qui sont en mémoire. Je vais peut-être les faire même maintenant, en fait. Je vais peut-être sauvegarder vite fait. Comme ça, ça sera fait. Et je vais passer sur les stages du monde comme ça. Comme ça, ça sera fait. Alors, allons-y. Je vais commencer par celui de Dimensio. Dimensio. Ah, mais est-il encore là? Es-tu encore là, Dimensio? Sinon, je vais faire des niveaux des gens qui sont là. Bon, je vais faire celui de Nolcolem, du coup. Tac, 77, F1, non, 1, 13, hop. Fais péter le niveau, fais péter le niveau. Ah, merci Nolcolem, merci beaucoup. Ah, le fameux énigmatique Room of Death. Je vais voir ça de ce pas. Oula, taux de réussite 0% quand même. Alors. P-Switch. P-Switch. P-Switch, P-Switch. P-Switch. Ah mais j'ai pas déjà fait. Ça me dit quelque chose ça. Ça me dit quelque chose. Ou alors j'en ai fait une version. Bonjour Dark Snake. Le P-Switch. Et hey, coucou Momiji. Comment ça va? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Ah bah après si c'est un truc frame perfect, je sais pas quoi, oui non là on va pas être copains. Hein. Mais bon ça vous le savez déjà. Et okay, là-dedans y a rien. Ah coucou toi. Ouais, j'ai fait une version qui était une autre version, non? C'est ça? Parce que ça, je m'en souviens. J'avais pas trouvé d'ailleurs. Tu as retrouvé ta voix, mais c'est magnifique. Mais ça faisait un long moment que tu l'avais perdu, non? Quand même, il me semble. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais je comprends toujours pas. Hein. J'avais pas compris la première fois, je comprends toujours pas en fait.
D'accord. Moi, ça va bien, ça va bien. Ça va très très bien. Donc oui, bonjour Dark Snake aussi. Ah bah je comprends Momiji. Là par contre ce que je ne comprends moins c'est tous les... Merci beaucoup Quicksilver, merci pour le follow. Ok, d'accord. D'ailleurs, j'essaie aussi de réfléchir par rapport à ce qu'il y avait avant. La manière dont c'était fait avant, mais je ne vois pas en fait. Non plus. Attendez, il y a peut-être des trucs en bas. Attends. On va explorer, hein. Il y a probablement des blocs cachés ou des trucs du genre, je suppose. Bah non. Félicitations nature, non mais attends, ça, moi ça m'intéresse. La commande ne marche pas. Quelle commande ne marche pas? Le point d'exclamation SMM, si si, elle marche. Et si, j'ai ton niveau qui est entré, ne t'inquiète pas. D'accord, pas de bloc caché ou une vraie énigme, ok. Faut juste que je pige le truc en fait. Là, je me fais chier probablement pour rien. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Mais voilà, Mario. Respecte-toi, voyons. Ok, j'ai réussi à venir là. Voilà. J'ai réussi à venir là. Il a disparu le... Attends. Pourquoi il avait disparu, lui? Théoriquement, il ne doit pas disparaître.
Ouais, c'est ce que j'essayais de penser à le faire marcher sur. C'est pour ça que je suis revenu le voir. Parce que j'ai pas compris pourquoi il a disparu. À moins que le P-Switch, ça le fasse débloquer? Non, même pas. Ah, les châteaux hantés. Il n'y a que lui qui marche, mais je ne vois pas. Je vois pas comment on le fait se déplacer, lui. Ah non, non, je sais. Non, ça y est, j'ai compris. Non, j'ai compris. C'est pas de celui-ci dont on parle. C'est de lui. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il faut pas y aller par là. Je pense que je commence à comprendre. Je pense que je vois de quel monstre on parle en fait. Non, c'était pas ça. Refile-moi un P-Switch. Refile-moi un P-Switch. Après, je ne vois toujours pas par contre comment on peut faire pour... Oui, il est ce con. Ah, il est là. Ok. Donc là, il est bloqué. Donc en fait, ça, il ferait ça. Hop. Là, du coup, je suis bon pour commencer. Donc en fait, il faut ensuite... Il faut que je retourne chercher un P-Switch. Attendez. Ouais, en fait, je peux accumuler les P-Switch. Et merde! En avoir 3 de P-Switch en fait. Pour ça qu'il y a 3 P-Switch. Tu vas là. Après, il faut pas qu'il dépop, c'est con. C'est surtout ça le problème. Mais non, mais merde! Et merde! Bon, c'est pas grave, on va y aller avec deux. Casse-toi le bout. Casse-toi le bout. Casse-toi le bout. Qui sont chiants ces ennemis. Qu'est-ce qu'ils sont chiants? Et merde. Oh là 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 là. Non mais attendez, alors attendez. Parce que mine de rien, je fais ça, mais je sais même pas jusqu'où il faut que je les mène, en fait.
Je sais même pas jusqu'où faut que je mène ce petit machin. Ce qui est quand même moyen. Vous en conviendrez. Donc là, hop, je passe. Non. Et non, casse-toi. Faut pas que je monte en fait. Parce que là je peux plus me barrer. Mais il faut que je fasse pop. Il pop à quel moment ce mob? Ah, Valkyria Chronicles est en promo Steam, mais ça il faut le prendre les gens. Bon, voilà, hop. Résultat, je suis Keblo. Il vit sa vie tout seul. Le bout, il est chiant en fait. Déjà que c'est dur à comprendre. Le bout, il est au milieu et il fait chier. Attendez, il faut que je regarde. Tant pis. Non, merde. Ben non, il faut que je le vire, sinon il fait une boucle. Ça, faut que je le vire. Sinon, ce couillon, il va faire une boucle. Après, hop, il passe là, tweak. Non. Non, ça va pas, en fait. Ah, merde, le con. C'est-à-dire que la difficulté, c'est pas les ennemis, donc mettre un bout, c'est dommage, quoi. Enfin, mettre un bout. Disons qu'il faut déjà capter, donc on est loin de... C'est-à-dire, voilà, il aide pas, quoi. Ah! Non, en fait, il faudrait le faire passer par là, je suppose. Hop, il va faire le tour. Il va revenir par là. Là, il faudra enlever la pièce, en fait. Hop, hop. Je sais toujours pas à quoi ça sert de le mener. Ah, c'est pour... Non. Je vois tout. En fait, je vois toujours pas où il faut l'emmener. Ok, d'accord, il faut le faire. Il faut faire en sorte qu'il bouge, mais parce que toutes les pièces, de toute façon, il nous dit ouais, t'es qu'une merde. Et bonjour Itché, comment vas-tu? En fait, je ne sais même pas à quoi il va servir ce mob. Je crois que c'est ça le truc. C'est qu'en fait, je comprends même pas. Même en ayant compris qu'il faut le faire bouger sur les plateformes, je ne comprends pas ce qu'on peut en faire. Parce qu'on peut pas lui sauter dessus. Donc on peut pas le transformer en carapace. On peut pas faire tourbilol, on est dans Super Mario Bros. 3. Ben oui, ça me paraît assez clair. Après, il y a les deux flèches là, on comprend pas bien. Enfin, moi, je comprends pas bien.
C'est-à-dire qu'il faut, en fait, il faut être là pour le faire avancer, ce truc. Quoique non, en fait, il fait le tour par le haut. C'est ça? On le voit pas, mais il va faire le tour par le haut. Ah tiens, c'est marrant. Comme j'ai fait le truc, je peux courir. Ouais, je... Mais c'est-à-dire que c'est trop cryptique, surtout. C'est ça le problème. C'est cryptique. Parce que ouais, on sait même pas si c'est ça en fait qu'il faut faire. Il y a des chances parce que tout nous indique que, mais... Et à plus, Itchy! Diantre fiche. Parce qu'en plus, il y a une autre partie du niveau qu'on a toujours pas vue. Et qu'on peut pas aller voir. Attendez. On va tester un truc quand même. Tu as vu qu'il y avait un champignon dans la boîte du début? Comment ça? Comment t'as fait? Bon, je m'en fous. Je m'en fous de cette pièce. Il est où le Yuki? Si tu veux des heures, oui, si tu veux. Re Gauguin, merci Oli pour le host. Merci Becu. Il est où le truc? C'est si fou. Il y a ça aussi, c'est qu'on sait jamais où il est le machin. Ah, ça y est, il arrive. On a failli attendre, hein. Tu vas tomber, Mario, oui. Alors, ma grande question, c'est qu'est-ce qui se passe là? Donc là, il est Keblo, le truc. Donc on est obligé de le faire passer par là. Ah, mais tu as bien fait, Momiji. C'est très, 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 très bien, Valkyrie Chronicles. Il faut que je finisse, moi, le jeu, d'ailleurs. Il faut que je continue, que je finisse, bordel. Et bonjour, Bilal Lebeau. Bienvenue à toi. Ah, mais désor, utilise la commande pour entrer le truc. Ah, je crois que j'ai niqué le puzzle déjà, mais bon, c'est pas grave. Il est où, le Yuki? Où il est, le Yuki? Thank you.
Et merde! Oh, j'ai mal calculé mon coup. Merci, Bilal Lebo. Merci beaucoup pour le foot. C'est pas ce que je voulais faire. Merci beaucoup pour le follow. Non mais il faut, franchement, il faut acheter ce jeu, il est bien. Hein. Sérieusement. Sérieusement, de la sérieusitude et tout. Il faut. J'ai toujours pas compris les deux flèches. Hein. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Il est où? C'est bien, ce qui est bien, c'est qu'on n'attend pas, quand même. Et il arrive, et il arrive. Je me demande... Bon, je vais passer un autre sage parce que sinon je vais y passer 3 ans, mais le problème c'est que c'est beaucoup trop cryptique et le bout il fait chier. Mais c'est dommage parce que ça a l'air bien, hein, mais... Mais, voilà. On se dit ça doit être super bien quand on trouve, mais il n'y a rien qui nous indique comment trouver, quoi. C'est pour activer le trigger de l'ennemi rouge. C'est pour activer le trigger de l'ennemi rouge. Ah, activer le P-switch? Non. Ben non. Et